conquête de l'Afrique du 17 janvier au 8 février 2015. Palais des sports de Trècheville, samedi 27 décembre. Toute l'équipe de production se mobilise pour l'émission Bonjour 2015. Les techniciens sont à pied d'œuvre. Tous les éléments sont réunis pour avoir un beau spectacle. Les comédiens, le décor, l'éclairage et le son. On ne néglige aucun détail. Les artistes font les dernières répétitions. Nous sommes ici dans les loges à quelques minutes du spectacle. Nous sommes en train de s'apprêter voilà, pour le bonjour. Et nous demandons voilà, votre bénédiction et que Dieu aussi nous inspire voilà, pour pouvoir faire plaisir à toutes ces personnes-là qui sont venues uniquement que pour nous, pour les apporter beaucoup de bonheur. Et je pense que le bonheur, Dieu nous a confié et nous, on va les donner, Inch'Allah. Quelques minutes de bonjour, vraiment, c'est stressant. Mais tout compte fait, quand tu as la volonté de Dieu, tu as foi en Dieu, il n'y a rien à faire. Il a donné le meilleur de moi-même. C'est un honneur aujourd'hui pour ce bonjour qui, pour moi, représente le bonjour de la consécration. C'est le bonjour qui va nous permettre de rentrer dans l'ère de l'année 2015 avec beaucoup de bonheur, beaucoup de faste. Alors on va essayer de donner le meilleur de nous-mêmes pour permettre à ceux qui ont dépensé de leur énergie, de leurs moyens, pour venir s'offrir le rire parce que le rire soigne. Et nous sommes des médecins du rire parce que nous apportons de la joie. Et c'est ce qu'on essaiera de faire. C'est ma première participation à Bonjour. Je suis assez content d'être là, de partager cette scène avec tous les frères, les grands frères et toute la compagnie. Voilà. Donc je promets d'essayer de faire le maximum pour exploser la baraque. Voilà. Tout est fait prêt. Le spectacle démarre. Il n'y a pas de garçon pour elle. Ah, tiens. Si c'est qu'elle a su, c'était un autre temps. Il faut lui dire. Pas progressivement. Donc dorénavant, il ne portera plus de pantalon, mais rien que des culottes. L'année prochaine, il va arrêter. Le public vit un moment intense de distraction, de bonheur et de plaisir en compagnie de talentueux humoristes. Bonjour 2015, c'est un événement phare initié par la radio, diffusion, télévision ivoirienne. De nombreux férus de l'humour étaient là pour cette 7e édition. Ce grand rendez-vous du rire a tenu toutes ses promesses. Il faut le dire. Voilà, mesdames, messieurs, amis tristateurs, si vous venez nous prendre en marche, vous suivez Matin Bonheur aux couleurs donc de ce point final de l'année 2014. Rukia Sissoko assure donc la réalisation et à l'instant, c'était donc le making-of de Bonjour 2015. Vous aurez donc à voir l'intégralité hein, les jours à venir. Serge Collet, bonjour. Bonjour, c'est Congo. Alors Serge, il est journaliste à la RTI et puis avec lui, on parlera donc de tout ce qui touche au monde culturel. Comme on le dit, l'année, le milieu de la culture n'est pas resté donc en marge des mouvements de 2014, plusieurs grandes actions et surtout de grands événements. Tout à fait, la culture était donc dans le mouvement de cette année 2014. Première activité majeure donc, culturelle en 2014, c'était donc le MASA, le marché des arts du spectacle africain, qui revenait après 7 ans d'interruption. On peut le dire, du 1er au 8 mars 2014, les Ivoiriens ont véritablement démontré leur dimension culturelle. Il y a aussi les groupes africains qui étaient également présents. Il y a eu des acheteurs, des annonceurs et des promoteurs du spectacle venus des quatre coins du monde pour venir participer à cet événement important. On peut le dire, la Côte d'Ivoire est rentrée véritablement dans l'année 2014 du point de vue culturel très bien, avec donc ce MASA qui, pour beaucoup de personnes avaient des doutes. Est-ce que la Côte d'Ivoire, après des années d'interruption, pouvait revenir avec un MASA de cette dimension? Mais on peut le dire, le ministre de la Culture et de la Francophonie, l'OIF et tous les partenaires ont fait de cet événement un événement de dimension internationale. Alors qu'est-ce qu'on pourra donc retenir de ce grand marché des arts? Alors ce qu'on retient de ce grand marché des arts, c'est que la Côte d'Ivoire revient sur la scène culturelle internationale. Au-delà, ce qu'on peut dire, c'est que la Côte d'Ivoire a permis à plusieurs Africains, plusieurs groupes, plusieurs troupes africaines, plusieurs
acteurs culturels de se vendre. Le Massa, vous le savez bien, c'est un marché et ce marché donc a permis à beaucoup de groupes africains de se vendre. On avait un peu plus de 200 acheteurs de spectacles, comme je le disais tantôt, venus des quatre coins du monde pour découvrir l'Afrique culturelle. Ils sont arrivés, ils ont vu et beaucoup de groupes ont eu, on va dire, l'occasion de bénéficier de contrats qui ont pu tourner durant donc cette année 2014. Il y en a pas mal de groupes ivoiriens, de groupes africains également, qui ont pu donc bénéficier des bénéfices donc, de ce marché africain des arts de spectacle africains. Alors Serge Collier, avant de poursuivre en tout cas avec ces différents événements qui ont émaillé donc l'année 2014 culturellement parlant, donc nous allons faire un tour du côté de la régie pour notre réclame publicitaire. La première exposition photo sur l'histoire des ponts en Côte d'Ivoire en exclusivité dans les jardins de la radiodiffusion télévision ivoirienne. Ouverte au grand public, une exposition grandeur nature sur l'évolution des ponts en Côte d'Ivoire et toutes les étapes de la construction du tout nouveau pont Henri Conan Bédier. À découvrir aussi un pont de liane construit dans la pure tradition Yacouba. C'est une invitation de la radiodiffusion télévision ivoirienne à Cocody, boulevard des Martyrs, et c'est à partir du 23 décembre 2014. 30 jours d'exposition parrainée par Monsieur Patrick Hachi, ministre des Infrastructures et est présidée par Mme Afousiata Bombalamine, ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement. RTI, la marque du service public. Sous le parrainage et la présence effective du ministre Mamadou Sanogo, la mutuelle Betaco et l'ensemble des cadres ressortissants de Ferentela dans la région du Bafing vous convient au premier Maolid dans sa nouvelle mosquée Darussalam dans la nuit du samedi 3 au lundi 5 janvier 2015 et à l'installation de son nouveau président, le ministre Bamba Cheikh Daniel. Au programme, prêche, lecture de Coran et bénédiction pour le président de la République et la paix en Côte d'Ivoire. Filles et fils du Bafing, venez vivre ce moment exceptionnel avec vos frères et sœurs de Ferentela. Voilà, Rocky Asisoko qui assure donc. Rocky, d'accord, tu me faisais signe à l'oreillette, dans l'oreillette que. D'accord, Carole, tu peux venir pour me pouponner un peu le visage. Ça brille un peu le front, c'est ça? D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Voilà. On profite en même temps de ton passage, Carole, pour saluer Joséphine Anneau, qui est aussi au service maquillage, et puis Madame Kwame. D'accord, donc je leur souhaite alors une très bonne année à Joséphine Anneau, Madame Kwame, Madame So, toutes les maquilleuses de la RTI, je vous embrasse très très bien. Allez, tout à l'heure. Merci, merci, Carole. Voilà, Sergent, on poursuit toujours pour parler des événements qui ont marqué donc l'année 2014. Après donc le Massa, il y a eu aussi les artistes qui sont vus octroyer des tout primes. Tout à fait, tout à fait. C'est une véritable action d'éclat menée donc par le Burida, le bureau ivoirien du droit d'auteur, qui a pu récolter ce chiffre record de 322 millions 800 000 francs. 322 millions, un peu plus même d'ailleurs, puisque c'est 322 millions 803 000 de fonds collectés en termes de droits d'auteur. Donc c'est un chiffre, comme je le disais, record. Depuis 10 ans, le Burida n'a pas récolté autant d'argent et ces fonds ont été distribués à nos artistes qui ont donc pu jouir du fruit de leur travail. On parle de piratage des œuvres des artistes et donc de telles actions sont vraiment salvatrices pour permettre donc à nos artistes de pouvoir s'en sortir un peu. Donc c'est une action importante qu'il faut souligner. Ça a été l'occasion d'une grande cérémonie au cours de laquelle le ministre de la Culture et de la Francophonie était présent. Et tous les acteurs culturels, les anciens hommes de culture, artistes, comme ceux qui font l'actualité culturelle aujourd'hui étaient présents. Et chacun a pu avoir un chèque pour ceux qui prestent et qui ont l'occasion de toujours s'exprimer. Donc c'était une action importante et pour continuer donc dans cette dynamique, il y a aussi cette importante action, c'est-à-dire on va dire que 2014, le volet social du point de vue culturel a été véritablement exploité. Cette action du président de la République, vous vous souvenez, dans pour le mois de gloire, voilà, tout à fait, dans le mois de juillet, le président de la République a pris sur lui d'aider donc ses artistes, 15 anciennes gloires de la musique ivoirienne. On peut citer entre autres Ala Thérèse, Kwame Adigri et bien d'autres, Anoma Brou Félix.
15 donc, de ces anciennes gloires de la musique ivoirienne, grâce au président de la République, a bénéficié depuis le mois de juillet d'une pension mensuelle de 300 000 francs CFA. C'est très important, c'est un fait inédit, les artistes l'ont dit, en Afrique, de voir que les artistes touchent une pension, on va dire un salaire mensuel, jusqu'à la fin de leur jour. Et donc, c'est une action importante. Très belle action, en tout cas, à saluer. Hein, une voilà. Action émanant donc du sommet de notre hiérarchie, hein, de la présidence. Hein, voilà. Et aussi, quand on parle de culture, ce n'est pas seulement que la musique, on a aussi la mode. Tout à fait, la mode. La mode, on a eu cette année féerie 2014, 20 ans de mode de Gilles Touré. On va tout simplement dire que cette cérémonie a éclaboussé l'actualité culturelle dans ces derniers mois. Gilles Touré, vous le connaissez, c'est un styliste de création, c'est un styliste de talent, ou talent inné. Il a donc illuminé la salle de l'Ivoire il y a quelque temps, donc avec Féerie, 20 ans donc, de carrière. Il était donc question pour lui de passer en revue toute... Voilà, c'est les images, on a donc la présence de la première dame. Voilà, la première dame était présente. Gilles Touré. Hein. De nombreuses personnalités ivoiriennes étaient donc présentes pour rendre hommage à ce jeune créateur ivoirien qui, reconnu aussi bien en Côte d'Ivoire que dans le monde entier, Gilles Touré, c'est une valeur sûre de la Côte d'Ivoire. Et Féerie 2014 a été l'occasion pour lui de démontrer qu'il est effectivement une valeur sûre du stylisme en Côte d'Ivoire. Un groupe qui fait la fierté de la Côte d'Ivoire en dehors de notre frontière, le groupe Magic System était en Côte d'Ivoire pour célébrer plusieurs années de carrière. Tout à fait, c'était un des événements majeurs de cette fin d'année, c'était le mois dernier, je me souviens encore, nous étions au Palais de la Culture. Comme Magic si c'était hier. Oui, comme si c'était hier. C'était un spectacle époustouflant, Magic System comme... il y a 9 ans, parce que cela faisait 9 ans que Magic System n'avait pas presté en Côte d'Ivoire. Et 9 ans après, Magic System est venu convaincre donc, tout son public ivoirien. C'était un spectacle de 2 heures non-stop où Magic System a passé en revue toute sa discographie. Quel est le titre de Magic System que vous aimez? Il y en a tellement. Mais Zouzoua me plaît bien. Moi, j'aime bien Premier Gaou parce que, bon, hein, au moins de notre vie, chacun de nous a été Gaou. Chacun de nous a été un peu Gaou. Donc, ce qu'il faut donc retenir de ce concert, c'est que Magic System a allié le Zouglou dans son volet pu à son Zouglou européanisé dont on parle tant. Donc, il y avait ce tableau de Zouglou Côte d'Ivoire, Made in Côte d'Ivoire, mais il y avait aussi ce tableau de Magic System au niveau européen. Donc, le public était diversifié. On avait des Ivoiriens, on avait des Français, on avait des Asiatiques, mais c'était vraiment un melting pot qui démontrait véritablement la dimension de Magic System, aussi bien en Côte d'Ivoire que partout dans le monde. On n'est pas prophète chez soi, disent les penseurs, mais il faut dire que Magic System a démontré pour ce concert qu'on peut être un prophète chez soi. Ça, c'est clair. Et 30 ans de cinéma, c'était la Côte d'Ivoire, je crois, était sa 30e année de célébration du cinéma. Oui, le cinéma a été célébré cette année. C'est bien sûr le cinquantenaire du cinéma ivoirien. Voilà, c'est donc le cinquantenaire. Et ce cinquantenaire, en principe, devait être célébré, mais on n'a pas trop compris. Il n'y a pas eu véritablement d'activité. Ben, je crois qu'au niveau du ministère, on est en train de prendre toutes les dispositions pour faire de cet événement un très grand événement. Mais ce qu'il faut retenir au niveau du cinéma, c'est donc le film Ran du réalisateur ivoirien Philippe Lacote. Vous savez que c'est un film qui a été sélectionné au Festival de Cannes, ce festival prestigieux. Ce film était donc au Festival de Cannes pour démontrer toute la vitalité de notre cinéma. Notre cinéma a donc été représenté à ce plus haut niveau à travers ce film. On a également participé à d'autres festivals avec ce film Ran qui a de la qualité, qu'il faut saluer, qui a été quand même un bon point pour le cinéma ivoirien. Il faut donc saluer tous les acteurs et puis le réalisateur Philippe Lacote. D'accord. Et on va terminer par une note noire pour cette année 2014. Oui, 2014 n'a pas été tout rose. Le monde de la culture a connu aussi des moments de détresse, de douleur. Cette année, des artistes, et non des moindres, sont tombés. Déjà en janvier, Bruly Boisbré, cet artiste connu,
des puristes, arrangé le pinceau. Il est décédé en janvier. Et puis, il y a eu volé au niveau musical deux grands monstres sacrés de la musique ivoirienne qui sont partis. Le cas d'Apple Stone, qui est décédé en septembre. D'Apple Stone, ce crooner, le crooner Yacouba, comme on l'appelle si bien, l'homme à la voix chaude qui a permis donc à ces Ivoiriens de connaître du bon moment avec ses chansons langoureuses. Et puis, il y a eu le décès de notre cher ami et frère Johnny Lafleur, Nyowi, que tous les Ivoiriens connaissent très bien, que toute la presse culturelle affectionne. Nyowi, décédé en octobre, son décès a véritablement touché tous les Ivoiriens. D'accord. Et donc, ce sont ces notes tristes qu'il faut souligner au niveau de la culture. Merci beaucoup, Serge Collia, pour cette contribution à cette journée qui marque le point final de l'année 2014. Vos voeux avant de vous dire au revoir. Des voeux de paix, de santé pour tous les Ivoiriens, que la paix règne en Côte d'Ivoire. D'accord. Merci beaucoup, Serge. Avant de poursuivre, Rokia Sissoko, nous allons... Voilà. D'accord. Merci, Rokia Sissoko. Il est déjà en plateau. Hein. Reda Fawaz, bonjour. Bonjour. Voilà. Avec vous, Reda, on parlera de comment décorer sa maison à la Saint-Sylvestre pour recevoir ses invités. D'accord. C'est vrai que c'est un moment de l'année qui est très, très important. Et c'est là où il faut faire beaucoup de festivités chez soi. Donc, si on voudrait recevoir des amis et ne pas sortir, c'est très important de décorer son intérieur. Et son intérieur, en fait, dans la déco de la Saint-Sylvestre, c'est qu'il y a des couleurs précises aussi. D'accord. Donc, ce sont les couleurs festives qui sont l'argenté, le doré. Et bien sûr, vous pouvez mettre des touches de couleurs comme ce qui est tendance aujourd'hui. Alors, ce qu'il faudrait savoir pour décorer son intérieur, il faudrait d'abord aller sur des fleurs, un peu dans ce principe-là. Voilà, ce sont des fleurs qui sont argentées, pailletées. C'est sur ça, vous pouvez faire des compositions, en fait, pour faire, si vous faites un dîner, vous pouvez le faire et les mettre sur la table. Alors, ce qu'il faudrait faire, c'est mettre beaucoup de lumière, c'est-à-dire mettre les lumières, des lucioles, mettre des bougies, par contre, pour avoir un effet féerique, en fait, au niveau de la déco. Vous pouvez suspendre, en fait, vous pouvez suspendre. Il y a ce qu'on appelle aussi les lanternes chinoises que vous pouvez suspendre, par exemple, au plafond pour mettre des petites lumières, des petites bougies à l'intérieur. Et en fait, le principe, c'est que tout doit briller dans la maison. Mais est-ce qu'on doit refaire complètement la peinture de l'intérieur? En fait, là, oui, bien sûr que, bon, si quand même il y a une... les murs ne sont pas très appropriés, on peut refaire la peinture, on peut redonner une touche de couleur à son intérieur. Mais en fait, là, on parle plutôt de la déco, du réveillon, en fait, de la Saint-Sylvestre. Donc, on peut se permettre tout ce qui brille, tout ce qui flash, tout ce qui est bling-bling. Voilà, c'est ce qu'il faut faire, en fait. D'accord. Voilà, pour avoir le côté festif de cet événement. Hein. Oui, voilà, en fait, c'est ce que j'explique. Oui. Et toujours, bon, bien sûr que l'arbre de Noël est là. Et il fait partie quand même du réveillon de la Saint-Sylvestre. Voilà, j'aimerais savoir pourquoi est-ce que l'on garde, mettez en compte dans le décor, l'arbre de Noël du 24 jusqu'au 1er, au voir au-delà. Alors, le 24, en fait, bien sûr que le sapin, la déco de Noël, ça se passe le 24, parce que c'est là où on fait les messes, où on célèbre la naissance de Jésus. Après, on part, en fait, on laisse cette déco pour le 31, comme aujourd'hui. Et après, on repart encore, parce que le 7, en fait, vous avez la Sainte Épiphanie, jusqu'au 14, qu'on appelle la fête des rois. Donc, jusqu'au 14 janvier, normalement, vous devez rester dans ce qu'on appelle la décoration de Noël et la festivité de fin d'année. D'accord. D'accord. Donc, en retenant donc, pour cette fête de la Saint-Sylvestre, c'est-à-dire la fête donc, qui nous permet de passer au nouvel an, il faut une décoration bling-bling. Hein? Bling-bling, bling-bling. Oui, beaucoup de paillettes, tout ce qui brille, en fait, il faut oser en ce jour-là. C'est très important. D'accord. Reda Fawaz, merci en tout cas pour ce décor. C'est grâce à vous le décor du plateau. Reda Fawaz merci qui nous apporte son assistance à chaque fois quand on a besoin de lui, hein, pour faire briller ou scintiller notre plateau. Merci à vous. Et puis bon, on terminera avec les vœux de 2015. Alors, je souhaite d'abord à toute l'équipe de la RTI mes meilleurs vœux pour cette année et à toute la population ivoirienne, parce que c'est quand même moi, c'est mon pays de naissance. Donc, je suis toujours allé sur la paix. La paix est toujours la paix.
Merci Reda Fawaz. Et puis bon, nous vous souhaitons tout ce qu'il y a de bon en cette année 2015. Hein. Merci Eric. Ils sont en plateau, c'est l'occasion pour nous de recevoir nos invités DCM, le prophète Unbreakable, bonjour. Bonjour, comment tu vas? Ça va bien. Il est accompagné de Madame Bleuwe Agnès, bonjour. Bonjour. Alors on parlera donc de cette veillée du 31 décembre du côté de Marcoy. Alléluia. Amen. Bien aimé aujourd'hui. Mais bien où? Bien là. Où te trouves? Où tu veux Unbreakable? Prophète Unbreakable, je t'invite. Adentia. Pourquoi? And they cross over. Aujourd'hui c'est le dépassement. And they 31st. Aujourd'hui est le 31. Tu as mené la vie depuis janvier. Jusqu'à décembre. Tu n'as rien. Y a rien dans son. Tu es toujours malade. Tu ne travailles pas. Sister, je regarde comment tu es belle. Mais l'homme vient et repart. Mes bras. Je sais le fort. Regarde comment tu as la force. Diplôme. Tu as de bons diplômes mais tu ne travailles pas. 31st est né. Ce 31 aujourd'hui, prophète Unbreakable. Je vais faire que les gens vont dépasser le problème. 2015. Et 2015. La vie va changer. Et donc aujourd'hui, 31, j'invite tout le monde. Côte d'Ivoire. Tous les Ivoiriens. Tous les Abidjanais. Toi qui me regardes. All night est né. Veillez aujourd'hui. Mes chers, c'est 7 o'clock. Je commence à 19h. Jusqu'à l'aube, 5h du matin. Ce n'est pas une mini veillée. Mais you're all night. C'est une veillée entière. Regarde. Nous commençons à 19h. Jusqu'à minuit. Nous allons dépasser. Et à partir de minuit, maintenant la destinée là. Je vais donner la destinée de tout un chacun. Ce n'est pas fait de ça. Non, Dieu va faire. Dieu, il est venu mourir pour nous. Il a dit, j'ai tout accompli. Et donc, chrétien, ta vie doit changer. Et donc, aujourd'hui, prophète Unbreakable, j'ai changé la destinée de tout un chacun au nom de Jésus. Ce matin, c'est la réception. Et le soir, on appelle ça soulève et prends. Je prends ça et là, que je te donne. Voilà. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est une eau de miracle. Quelle maladie tu as? Les problèmes vont partir. Tu bois simplement. Est-ce qu'on peut avoir un point de des séances de prière qui sont passées il y a cela quelques jours, je crois. Le programme. Oui, là. Oui. Oui, c'est le programme. Le programme. Il laisse tomber. Beaucoup d'hommes. Il y avait du monde. La guérison, on ne peut pas en parler. Le prophète dit qu'il n'est pas venu avec la vidéo. On espère pour les prochains passages, il viendra avec la vidéo. Et puis bon, d'accord. Mouchoir 2015. C'est mouchoir de 2015. Tout problème que tu as, tu soulèves. Tu soulèves simplement, tu as la recherche d'un travail. C'est là où tu as déposé les dossiers. Ils vont t'embaucher. Je te parle du pouvoir. Le prophète Élie était avec Élisée. Et Élie, avant qu'il ne parte, ils ont traversé l'eau de Jourdain. Et quand Élisée revenait, les gens l'attendaient de l'autre bord. Comment est-ce qu'il va faire pour traverser l'eau de Jourdain? Mais le manteau qu'il a reçu du prophète Élie, quand il arrive au bord, il a frappé l'eau de Jourdain et l'eau a été divisée. D'accord, vraiment, merci beaucoup. Hein. Merci. Ça, on appelle ça souffle simplement. Souffle. Souffle. Tu souffles, c'est une poudre. Voilà. Tu veux demander l'argent à quelqu'un, ou bien tu veux te marier, ou bien l'homme l'a dit, il ne veut pas de toi, tu dis son nom et puis tu souffles, d'accord. Il va revenir. Il va revenir, d'accord. Voilà. Merci beaucoup, prophète Unbreakable, pour cette veillée qui se tiendra donc aujourd'hui, 31 décembre, du côté de Marcory. À partir de quelle heure? À partir de 19h. 19h, hein, il est Marcory en face, moi aussi, c'est à court. Oui, Marcory en face, c'est juste à côté de l'échange. Et nos contacts, c'est le 75 02 23 72. Le 75 02 23 72 et le 78 16 59 42. Le merci. 78 16 59 42. Tu veux veiller, viens à la fondation. Merci beaucoup. Merci. Tu veux que ta destinée change. Merci, merci beaucoup, prophète Unbreakable. À vous aussi, madame Bleuwe Agnès, d'être passée sur notre plateau pour nous parler de cette veillée qui aura donc lieu aujourd'hui, 31 décembre, à Marcory. Avant de saluer nos derniers invités, nous allons partir avec. L'ensemble, allez-y, on veut, allez-y. Aujourd'hui, c'est la fête, hein, donc on va avec des notes musicales. Allons-y, on y va. Pour la vie de
brother Tunde, Binya Matima Jesele, Mapata Magoso, Ikungula Nisaka, Atiti Labumbili Wamuna. Notre groupe musical d'Abidjan de s'installer. Nous allons partir avec, voilà, nous partons avec un élément magnéto pour les vœux des populations. Bonne année à tous les Ivoiriens. Je souhaite la paix à toutes les Côte d'Ivoire. Je souhaite mes meilleurs vœux, tout le bonté, puis bon, beaucoup de succès, bonheur, longue vie. Je salue mes parents aussi. La paix, surtout la paix, la paix. Je souhaite bonne heureuse année à toute la Côte d'Ivoire. Je souhaite la santé, prospérité à tout le monde. Je veux le meilleur pour ma famille, pour toute la Côte d'Ivoire, pour le président de la République. Que l'année 2015 soit une année vraiment de prospérité pour nous. C'est une très belle, heureuse année 2015 à toute la population de la Côte d'Ivoire. Santé, prospérité et beaucoup de bonheur, de santé. Je salue tout le monde, toute ma famille, mes tantes, mes oncles, mes parents. Bonne et heureuse année à toute la Côte d'Ivoire, aux Ivoiriens et à mon village Kiriao depuis Mans. Mon vœu, mon souhait le plus cher, est que l'an 2015 apporte à cette nation la stabilité sur tous les plans et que la paix et la sécurité soient notre partage, le partage de tout et chacun de nous. Et je voudrais aussi souhaiter une excellente vitalité au président de la République, à tous les membres du gouvernement, que Dieu leur accorde l'esprit de sagesse. Happy Christmas and New Year. May God show you Sada year, but yes, man, in 2015. May God bless us, we know everybody. Ala Samuel Yana, Kenyalo, City Yalo, Dryalo. L'an 2015, Sangwa Minato, Ka Anna Bessie Haralo. Bonjour, je suis Foué Melike. Je souhaite une bonne année. Que je me prie à Raïsou. On m'a une longue vie. On m'a en tout cas santé. Aseo, son de si aï, Kea Mouyadja, Kea Nia Wai, Kea Nia Diotou. Voilà, à l'instant, c'était donc les vœux des populations pour cette année 2015. Et vous l'avez compris, le décor a changé. Nous sommes avec les femmes du vivrier, celles qui viennent donc de la Fédération nationale des coopératives du vivrier de Côte d'Ivoire. On en profite en tout cas pour faire donc observer une minute de silence pour Botilo Rosalie qui est décédée donc il y a cela quelques semaines. Hein, voilà. Voilà, merci beaucoup. Voilà, en fond sonore, nous avons donc le groupe qui nous accompagne. Alors, Maman Hélo, bonjour. Bonjour. Bonne année. Voilà, comment se porte le milieu du vivrier? Le milieu du vivrier, je vous dirais que le vivrier se porte très bien. Avec tout ce que vous avez entendu, comme nous venons de... Nos petites soeurs, elles viennent de partir. Mais le vivrier, c'est quelque chose que nous, on a amour à cette chose-là parce que nous voulons que les Ivoiriens puissent manger à leur faim. C'est pourquoi avec tout ce qui se passe aujourd'hui, dans le secteur avec le décès de notre soeur, de notre petite soeur, nous sommes paniqués,
Mais c'est un travail qu'elle aime. On doit avoir le courage de continuer. Et c'est pourquoi nous allons dire aux Ivoiriens que 2015 soit une année de paix et de joie. D'accord, en tout cas, merci beaucoup, maman. Et alors, dites-nous, quel est le bilan pour l'année 2014 du secteur ivrier? Est-ce que vous avez atteint vos objectifs? On a atteint, vous avez vu que... Il y a des gens qui disent, mais il y a trop de choses qui sont au marché, le marché est trop chargé. Cette année, vous allez voir que pendant la fête, il y a deux moments pendant la fête, le kilo de tomates peut monter à 2500. Mais vous allez voir que cette année, on n'en aura pas 2500, on n'en aura même pas 1000 et quelques. Donc c'est pour vous dire que le bilan est bon parce que nous avons, on s'est donné au travail. Et les femmes ont bien travaillé avec tout projet qu'on a lancé, le pédale des produits vivriers, aux balances, au marché, dans les champs. En tout cas, alors, nous pouvons dire que 2014, d'accord. C'est bon. D'accord, pour 2015, donc c'est bon, ça s'applaudit, voilà. Bon, maintenant, donc pour 2015, qu'est-ce qu'on prévoit 2015? 2015, nous prévoyons au moins 300 hectares de produits que nous allons produire. Et avec le système d'irrigation et avec le produit bio qu'on va vraiment accompagner la production avec le produit bio pour que les Ivoiriens soient en bonne santé, pour que toutes les populations soient en bonne santé. En tout cas, 2015, la vision est très grande. Merci beaucoup, maman. Je crois que ça s'applaudit. Les femmes se sont habillées, elles ne sont pas habillées n'importe comment, elles sont habillées dans des tenues de nos différentes régions. Oui. J'ai l'œil, hein, j'ai le coup des gants. Alors, maman, sur ce plateau, c'est la fête. Donc, déjà, en plateau, on va manger beaucoup. Uh-huh. Vous nous avez apporté à manger, il y a quoi et quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est ce que nous avons apporté comme nourriture. Parce que c'est la fin de l'année. Uh-huh. Et nouvelle année va commencer. Nous sommes venus avec des bagages, uh-huh. des vivriers. Uh-huh. Pour la télé, pour la RTI. Il y a un camion qui est dehors déjà avec le vivrier. C'est pour RTI. D'accord. Pour que demain, le repas qu'ils vont préparer, déjà, ça commence sur ce que le secteur vivrier a donné à la RTI. C'est ça même. Et moi, comme nous venons, tous ceux qui ont travaillé aujourd'hui, tous ceux qui ont travaillé aujourd'hui, en tout cas qui sont à la RTI ici aujourd'hui, là, en tout cas, il y a tous les repas qu'on a apportés. On a quoi ici sur le plateau? Naturellement, il y a l'ignam bouilli. Il y a l'ignam konan bouilli. Il y a biekoso avec du foutu, du riz. Le poisson, escargot, banane bouillie, apprécie. Bon, et il y a le plakali. Moi, j'ai mangé l'escargot avec le poisson. Voilà. Allez, bon, je me sers d'abord. Hein, parce que, bon, je sais que bon, le DG, avant que les affaires ne montent sur le DG, moi, je vais me servir rapidement. Alors, mais toi, tu es au parfait. Ouais, vraiment. À moi, l'odeur. À lui, l'odeur, à moi, le goût. Voilà. Alors, avant de terminer hein, avec vous, maman, on souhaite en tout cas une excellente journée à tous nos téléspectateurs. On ne saurait oublier toute l'équipe qui a donc permis que l'émission se tienne dans les meilleures conditions. Le chef de plateau, Yao Kouassi, qu'on va saluer. On va l'applaudir, Yao Kouassi. Mon assistante, Diane Tiama, qu'on va applaudir. Oui, voilà, les cadreurs. On a Tani Marcelin, leur chef. Tani, merci. Merci. On a Bamba Adama, voilà le jeune Bamba. il dit qu'il est plus jeune. On a Kwasi Franck, on a au niveau du maquillage Kwame Arlette, Carole Koundali, Anno Josephine. On a Légré, voilà, Légré Olive. Légré voilà, Légré. Bon, on dit que c'est la fête, on nous a accordé 5 minutes encore hein, pour faire le show. Ah, ah. Oui, merci le au DG. Show. Voilà, on y va. La musique, on va chanter. Allez-y, la musique, on va danser un peu. Musique. Mettez-nous le show, la musique là, on va danser un peu, là, on va danser un peu. Show. Avant de conclure, on va mettre, voilà, on va chasser 2014. On chasse 2014, c'est bon, on y va. On va pousser 2014. D'accord, voilà. Tu tombes dans le trou là-bas. Voilà.